m'appelle Théo, j'ai 24 ans depuis le 8 novembre dernier, je doute tout le temps sur mon âge, je sais pas pourquoi c'est un problème. Premier pseudo, on doit en parler là. Attendez, j'essaie d'en inventer un peu moins ridicule de celui que j'avais à l'époque. Non, vraiment, mon premier pseudo c'était Master Batman. Dispo sur ma chaîne ou caché un peu? Ok, je vous lance une exclue. La première apparition que j'ai faite sur YouTube, c'était sur la chaîne d'un pote qui faisait du Call of Duty à l'époque. Je devais avoir 14 ans. On avait fait une vidéo ensemble. On n'entend que ma voix, on me voit pas à l'écran. Et la première vraie apparition vidéo, c'était en 2015 sur Hearthstone avec mon cousin. Aucun sens avec ce que je fais aujourd'hui pareil. 4 millions et quelques, c'est un sacré paquet de gens, mais c'est trop bien, c'est incroyable. Et ça monte encore, ça s'arrête jamais. Premier job, j'en ai jamais parlé je crois sur YouTube en plus. C'était sur un chantier, en gros c'était l'usine du papa d'un ami. Et du coup je travaillais sur les chantiers avec des pioches, des pelles et tout, j'ai travaillé pendant un mois. J'ai arrêté parce que j'ai eu un labago, et après ça j'ai fait McDo et ensuite de fil en aiguille, YouTuber. Je voulais être vétérinaire, sauf que j'ai fait mon bac S, et j'ai eu 2 en maths, du coup j'ai revu un peu mes plans à la baisse. Du coup je partais sur professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée. Rien à voir du coup avec ce que je fais aujourd'hui. C'est difficile comme question. Je me souviens du moment où je me suis dit ça y est, ça décolle pour moi. J'ai sorti une vidéo en voiture dans laquelle en gros je passais à côté d'une auto-école et je mettais des petites musiques de beauf, et il y a le moniteur d'auto-école qui a commencé à danser avec moi et tout ça. Du coup la vidéo a explosé, c'est à ce moment là où je me suis dit ah ça y est, je vais peut-être pouvoir en vivre. Mais le moment où vraiment je me suis dit j'ai percé, je crois c'est quand des gens que je considérais comme étant des célébrités, des idoles, venaient vers moi et me disaient ah, ça va Mastu, comment tu vas? Et je me disais mais attends, mais il me connaît, comment c'est possible? Et là je me disais ouais bon, j'ai mis un pied dans une zone un peu inatteignable en temps normal. Ah ouais, c'est la vidéo en voiture. Une vidéo en voiture où en gros, il y a un gars qui est soit en heure de conduite, soit il passe le permis. J'arrive à côté de lui en double fil. Je mets une musique de Patrick Sébastien à fond. Et le moniteur d'autocolle qui commence à danser et tout. Et le gars lui, il passait son permis, il était comme ça. C'est bon, je l'ai. C'est passé et... Non, c'était trop cool. C'était un bon moment. C'est un peu nier, mais Luffy dans One Piece, c'est un personnage fictif du coup. Mais justement, il est trop parfait. Enfin, je trouve qu'il véhicule plein de valeurs trop stylées, trop cool, il donne envie de se surpasser. Le fait même de m'être lancé sur YouTube, je pense que si j'avais pas eu One Piece dans ma vie, je serais jamais lancé. Je me serais dit, ouais non, c'est trop compliqué, comment on fait pour percer sur un média pareil? Donc ouais, non, ouais, je pense Luffy de One Piece. Non, je crois pas. Des fois, c'est plus compliqué de trouver des idées que d'autres. Comme j'essaye de lier ce qui plaît aux gens et ce qui me plaît à moi surtout, c'est ça qui fait que c'est compliqué. Mais à vrai, en termes d'idées, sinon j'en ai toujours, je pense, sous la main. Et puis maintenant, je m'entoure aussi de gens qui m'aident à trouver des idées, donc c'est plus simple. Donc non, je crois pas. Je pense que c'est d'être régulier. En vrai, le fait d'être régulier, les gens t'oublient pas, tu t'améliores forcément parce que du coup, tu t'imposes un rythme et t'essaies de toujours faire mieux. Ouais, je pense que c'est ça, être régulier. Faut se renouveler, s'accrocher. Ouais, essayer d'innover le plus possible, je pense. Et... c'est déjà bien, hein. C'est bien. Bah, c'est une opportunité de dingue. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, je vois des gens passer et tout, je me dis, ah ouais, attends, ils ont fait des trucs de fou dans leur vie, et moi, je suis là... Mais non, en vrai, c'est cool, c'est trop stylé. J'étais même pas venu à Cannes, j'avais même pas mis les pieds à Cannes, c'est la première fois vraiment. Et là, dans quelques heures, je monte les marches pour la première fois de ma vie. Un peu stressé, mais en même temps, je trouve ça kiffant. J'ai hâte de voir, on va voir. Je pense que c'était un Disney, hein. Le Roi Lion quand j'étais petit. Alors c'était bizarre, j'écoutais les cassettes en boucle parce que j'adorais Le Roi Lion. Et du coup je dirais Le Roi Lion, film d'animation. Mais je crois que toute ma vie a été bercée par les films d'animation. Et sinon, cinéma, je fais très peu original, mais c'est Harry Potter. J'ai envie de dire Your Name, c'est un film d'animation, incroyable, allez le voir. Je pense que c'est bien que ça innove, tant que c'est dans le respect, dans la bonne humeur et tout, je trouve que c'est cool. En tout cas, je me plains pas, je trouve ça cool et je crois que j'ai dérangé personne, donc c'est le principal. Non, c'est vraiment bien, je suis content d'être là. Ouais, c'est hyper égocentrique, j'ai envie d'être le personnage principal d'un film, mais il faut que l'histoire me plaise. J'aimerais trop un film de super-héros, je crois. Bah, un peu comme Tom Holland a fait avec Spider-Man, il a eu la volonté de vraiment essayer de faire une petite transformation physique, de se chauffer à faire des cascades et tout. Je crois que j'aimerais trop me surpasser et essayer de me donner comme ça aussi. Je pense que la différence qu'il peut y avoir entre par exemple YouTube et la télé, c'est que la télé est en place depuis un long moment. YouTube, ça prend forme petit à petit. Je sais que même moi, à titre personnel, j'essaie de faire des concepts de plus en plus gros, du coup je m'entoure d'équipes et tout ça. Je pense que c'est cool de pouvoir faire des connexions entre par exemple le monde du cinéma et YouTube, parce qu'à tout moment ça peut déboucher sur des conversations super cool, hyper enrichissantes, qui vont faire en sorte que peut-être moi je vais me mettre à produire un jour des trucs beaucoup plus cool, parce que je vais me dire ah ok, lui il a fait comme ça, peut-être je peux prendre un peu le même procédé. Donc je trouve ça cool qu'il y ait une connexion entre les deux. J'ai perdu mon portefeuille, mais, anecdote incroyable, je l'ai retrouvé. En fait, c'est pas moi qui l'ai retrouvé, c'est une abonnée qui l'a retrouvé. Elle a vu ma pièce d'identité, elle m'a envoyé un mail. Du coup, c'est bon, il n'est pas perdu. Merci beaucoup, Brut, de m'avoir permis de participer à tout ça, c'était très cool, et au plaisir.